La fin d'une belle histoire. En 2014, David et Cathy Guetta avaient annoncé leur séparation, après 22 ans de mariage et la naissance de 2 ans, Tim Elvis et Angie. Mais un an après cette rupture, le célèbre DJ français a retrouvé l'amour dans les bras d'une jolie mannequin et actrice américaine de 26 ans, sa cadette, Jessica Ledon. Il n'hésitait d'ailleurs pas à poster de temps en temps des photos d'eux, ne manquant jamais d'exprimer son amour pour sa belle. Malheureusement, après 7 ans de vie commune, il semblerait que leur idylle soit désormais terminée. En effet, comme l'a révélé une source proche du couple au Sun ce mercredi 26 octobre, le couple aurait décidé de se séparer. David s'était éloigné de Jess, et leur style de vie n'était tout simplement plus compatible, a ainsi confié la source. Cette dernière précise que c'est David Guetta qui aurait décidé de mettre un terme à cette relation. Pourtant, l'année dernière, tous deux semblaient filer le parfait amour. L'artiste français avait même offert à la jeune femme une bague de promesse au lieu d'une bague de fiançailles, ne croyant plus au mariage, comme indique The Sun. Ils n'ont pas complètement coupé les ponts, mais la résidence estivale de David Guetta à Ibiza aurait fragilisé leur couple. En effet, alors que le DJ profitait du soleil espagnol cet été, Jessica Ledon continuait de vivre aux États-Unis, rendant la situation assez bancale. Ils ont vécu tant de choses ensemble que tout le monde autour d'eux pensait qu'il était fait l'un pour l'autre, mais finalement, ça n'a pas fonctionné, regrette la source, ne perdant pas espoir de les voir se remettre ensemble. Ils n'ont pas complètement coupé les ponts, donc certains d'entre nous espèrent qu'ils vont se rabibocher. Si David Guetta a tout de même besoin de parler de cette rupture avec quelqu'un, il sait qu'il peut toujours compter sur le soutien de son ex-femme, Cathy, avec qui il est resté très proche malgré leur séparation. Je me suis démené afin de préserver nos enfants. Les débuts ont été difficiles. J'avais de la colère, de la peine, mais j'ai fait le deuil de mon couple et je suis parvenu à accepter. C'est ce qui nous a permis, David et moi, de conserver notre complicité, de pouvoir partir en vacances tous les quatre, avait ainsi confié la femme d'affaires le 23 septembre dernier dans les colonnes de Public. Et d'ajouter, aujourd'hui, avec David, nous prenons du plaisir à nous revoir. Dès que l'on est réuni, notre complicité ressort à un point tel que les gens se demandent si nous n'allons pas nous remettre ensemble. Pas du tout. Mais nous nous sommes toujours beaucoup respectés et c'est essentiel.